compatriotes, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, distingués invités, bonsoir. J'ai l'insigne honneur de vous souhaiter, au nom de Son Excellence l'ambassadeur Omar Haruna et de toute l'ambassade du Bénin, la bienvenue à ce barbecue organisé à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin. La cérémonie de cet après-midi se déroulera essentiellement en trois phases. Nous aurons d'abord droit à l'exécution des hymnes nationaux du Bénin et des États-Unis par le groupe Jomion et UCLOS. Ensuite, suivra le message de l'ambassadeur Omar Haruna. Et enfin, les festivités pourront démarrer avec l'accompagnement de talentueux groupes musicaux. Dear fellow citizens, excellencies, ambassadors and members of the diplomatic community, distinguished guests, good evening. On behalf of Ambassador Omar Haruna and the staff of the Embassy of Benin in Washington, D.C., I have the distinct honor of welcoming you to this barbecue hosted on the occasion of the 54th anniversary of the independence of the Republic of Benin. This event will proceed in three steps. First, we will listen to the national anthems of Benin and the USA, performed by the group Jomion and UCLOS. Then Ambassador Omar Haruna will deliver his speech. And finally, the celebration will begin with the performance of various talented bands. So I'd like to invite the group Jomion to perform the national anthems. Invite Ambassador Omar Haruna to address the audience. Thank you. Excellence, Messieurs les ambassadeurs invités, distingués invités, sympathisants et amis du Bénin, chers compatriotes, avant tout propos, j'aimerais
au nom de tout le personnel de l'ambassade du Bénin, au nom de mon épouse ici présente, et à mon nom propre, vous remercier sincèrement de votre participation aux présentes festivités de commémoration du 54e anniversaire de l'ascension du Bénin à l'indépendance. Chaque année, le 1er août est pour tout Béninois, où qu'il se trouve, la date qui marque la souveraineté internationale de notre pays et l'expression de notre volonté de vivre ensemble dans la solidarité et le respect des valeurs fortes de notre communauté. C'est dans cet état d'esprit que votre ambassade vous a invité à venir ce jour célébrer l'unité nationale. Au-delà de ces réjouissances, je vous invite à trouver dans le rassemblement de ce jour notre volonté à vivre en communauté unie et soudée comme au Bénin. En effet, notre pays ne peut se construire et s'affirmer dans le concert des nations si ses filles et fils sont divisés et si la souveraineté politique ne s'accompagne pas de celle économique. S'il est vrai que le président de la République, chef du gouvernement et chef de l'État, son Excellence le docteur Boni Yayi et son gouvernement accordent une importance particulière à l'émergence de notre économie par la lutte contre la corruption et l'impunité, la promotion des secteurs clés de l'économie, la mise en œuvre des programmes efficients pour soulager les souffrances de nos compatriotes restés sur place, leurs efforts pour se concrétiser ont besoin du soutien de la diaspora béninoise en général et celle des États-Unis d'Amérique en particulier, en ce qu'elle compte en son sein de nombreuses élites aux compétences avérées. C'est le lieu de vous exhorter à une introspection, de vous convier à réfléchir à la contribution que vous pouvez et devez apporter, où que vous vous trouviez et quelle que soit votre position sociale, à l'effort national pour conduire résolument notre pays sur la voie du développement. Nul ne saurait être du tout. Je vous invite à raviver en vous la flamme du patriotisme, à dépasser les divergences et les différences pour vous unir davantage. De même, je vous invite à mettre de côté toute considération partisane et à travailler franchement avec l'ambassade afin que, unis autour de l'essentiel qui est la défense et la sauvegarde des intérêts de notre pays, nous puissions nous investir dans la promotion de notre pays et par là même apporter notre contribution au développement que nous appelons de tous nos voeux. C'est le moment de vous présenter des personnes spéciales que j'ai invitées à cette commémoration. Des hommes et des femmes qui, il y a quelques années, ont fait le sacrifice de leur jeunesse pour servir nos frères et sœurs, parfois certains parmi nous, dans nos localités les plus reculées. Ces hommes et ces femmes qui ont vécu nos quotidiens dans les conditions réelles connaissent mieux que nous-mêmes parfois les réalités de nos villages et villes. Ce sont les volontaires du corps de la paix que je vous prie d'accalmer chaleureusement. Je saisis cette même occasion pour leur dire officiellement merci pour leur sacrifice. Let me continue by saying it's not over until it's all over. You can relieve your Peace Corps here in Benin through my embassy, right here in your own backyard. That's why we hope to re-engage with you as a group to further what you have started in our village and cities to build open it here in the United States. As you are going by your daily routine, please drop a good word here and there for Benin. Especially some of you who are close to various branches of the US government, spread the word. In a region where so often the United States way of life and ideal are constantly challenged, Benin remains a true friend of the US in that region. We share the same democratic value and ideal. So repeat after me. We share the same democratic value and ideal. So spread the word. Nous avons aussi d'autres invités qui sont venus de très très loin pour célébrer avec nous, pour nous aider dans notre travail et ou même pour promouvoir le savoir-faire béninois ici à Washington.
Soyez donc les bienvenus, chers frères et amis précurseurs du protocole d'État et de la sécurité présidentielle. Il y a dans l'assistance une femme qui incarne le savoir-faire béninois. Je veux nommer la styliste Olohou, Madame Akobi, qui est ici pour faire la promotion du coton béninois. This is one of her outfits. Yeah. And made in cotton, Benin cotton, 100% Benin cotton. Il y a aussi dans la foule une dame qui est ici pour vendre la destination Bénin. Je veux nommer Madame Maria Djaouga de Mamou Voyage. She's here to sell Benin. She has a travel agency and she's about to open the floodgate toward Benin. So please sign up. Je n'oublie pas, bien évidemment, Madame Yolande Vévé de l'émission Diaspora, où est-ce qu'elle est? Qui va faire découvrir au peuple béninois la diaspora béninoise? Merci. Aux États-Unis, évidemment. En espérant que cette fête que je vous souhaite, que nous célébrions dans l'allégresse, la convivialité et la fraternité, marquera le début d'une collaboration sincère entre vous et l'ambassade, en vue de l'atteinte des objectifs de notre pays, je vous souhaite du succès dans vos différentes entreprises. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence le docteur Boni Yayi, et au nom du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur, le professeur Nassirou Bako Arifari, au nom du personnel de l'ambassade, au nom de mon épouse et au mon nom propre, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois des États-Unis, d'Amérique, du Mexique, du Bahamas et des Barbades. À toutes et à tous, bonne fête. May God bless you all.